Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de réalitévirtuelle.com pour un nouveau gameplay découverte sur un jeu VR et cette fois-ci, on s'attaque aux courses tout-terrain avec ATV Off-Road. Développé par Ziga Games, ce jeu propose 6 quads différents et 10 circuits variés qui entraîneront les joueurs sur la terre battue, les pistes enneigées et même sous la pluie. ATV Off-Road est accessible depuis le 7 novembre 2023 sur l'App Lab pour les casques MetaQuest et sachez qu'il n'a aucun lien avec les jeux précédemment sortis sur console. Allez, passons maintenant au gameplay du jeu où vous allez découvrir quelques circuits. Je vous laisse avec ces quelques images capturées depuis un Quest 3 et on se retrouve juste après. Thank you.
Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous aidera à vous faire un premier avis sur cette ATV en VR. Pour ma part, j'ai été agréablement surpris par les sensations de conduite qui sont plutôt bonnes. Les quads se comportent bien et je n'ai pas eu de mauvaise surprise de ce côté-là. Les différents terrains, certains avec des conditions météorologiques variées, ajoutent une touche sympa au jeu. Cependant, il y a des lacunes évidemment, notamment au niveau des effets sonores. L'absence de bruit réaliste comme les collisions ou les crissements des pneus sur les différentes surfaces manque pour une immersion complète. De plus, j'aurais apprécié davantage de concurrents sur les pistes et des modes de jeu supplémentaires, comme un mode championnat ou contre la montre qui manque actuellement. Malgré ces points, ATV Off-Road a indéniablement du potentiel et j'espère vraiment que Ziga Games va continuer à le développer. Et si ce jeu vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description. Allez, il est maintenant temps pour moi de vous laisser. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce jeu. Et si vous êtes comme moi absolument accro à la VR, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit pouce. Allez, on se retrouve très bientôt pour un prochain jeu VR.